c'est Greyfox. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Coliseum avec ma team Panda, Uji et Ni. Alors ces derniers temps, je vous ai sorti pas mal de compositions un petit peu spéciales, un petit peu originales en testant des choses. J'ai l'impression que ça vous a bien plu dans l'ensemble, mais certains se sont plaints que c'était des colis qui ressemblaient un petit peu à rien et qu'ils avaient envie de voir du beau jeu. Alors je me suis dit, pas de problème, on va reprendre la vraie team. Et donc c'est parti. Et en face là, on a Panda, Ekaflip et Eni. Donc en gros, on a deux compos qui se ressemblent énormément. Et c'est juste les rôdeurs qui changent avec un Ekaflip en face à la place de mon Panda. Alors en revanche, il a l'air de taper extrêmement fort en face. Mais d'être assez fragile. Notamment le Neripsa qui a très peu de res. Et qui va certainement se prendre un focus. À moins que je reste sur quelque chose de plus classique et que je focus Ika. Ouais, je vais plutôt faire ça. On verra après ce qu'on fait avec... avec l'ennemi, bon dans tous les cas il y aura peut-être moyen de faire des choses sympathiques. Hop, je pense que comme ça c'est pas mal, on va faire un petit pendant le cul sur le J. Et le panda je vais venir le mettre là, hop. Alors on m'a demandé aussi, on m'a demandé d'afficher les animations des sorts. Donc je l'ai fait mais je trouve que c'est du coup beaucoup plus long. Au niveau de des animations et ça me fait perdre du temps, donc on va voir si je continue à faire ça très longtemps ou pas. En tout cas au niveau du Rox, ça rigole vraiment pas en face. Là mon Eugeniac a pris extrêmement cher. Le panda j'ai pas vu s'il était haut hein. Donc s'il est haut, il va de toute façon me mettre le Vagalam, mais je vais quand même me placer ici, voilà. Pour être un petit peu couvert, donc là mon Eugeniac a pris les vulnés et des dégâts très sales de la part de l'Ekaflip. En revanche, j'ai pris que 15% d'érosion. Donc si j'arrive à le debuff et que je tombe pas sur les premiers tours, ça devrait aller. Et comme c'est un Eugeniac et que c'est très solide, je pense que ça ira. On va voir. Donc là, Lenny qui a protégé son Ekaflip, c'est tout à fait logique. Qu'il n'a pas debuff, il n'a pas debuff l'érosion pour pas lui enlever tous les boosts, il a déjà beaucoup, pas mal de boosts. Donc on va voir comment on s'en sort avec ça. Moi de mon côté, est-ce que je vais mettre quand même un petit mot de prêve sur le Eugeniac parce qu'il a l'air de taper extrêmement fort. On est parti là-dessus et je vais mettre mon ennemi comme ça. Ah j'aurais dû le mettre une case de moins. J'aurais voulu en fait éviter les Lavagala mais je suis con, il peut faire épouvante. Et j'aurais dû le mettre une case plus proche. Et là parce que du coup je vais me faire exploser là. Très mal joué de ma part, grosse erreur de placement, hein, clairement. Bon, ça va que les dégâts sont pas énormes, mais j'aurais dû éviter ça quand même. Alors, son ennemi, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bah, je pense qu'on va le mettre... J'espère que je le tacle, on va voir. Voilà, je le pousse et je mets un Wasta, ok, ça devrait pas mal l'embêter quand même. Et moi, sur son Ekaflip, je vais lui faire Flamish. On est parti pour Flamish et Tilo. Et je vais revenir me placer comme ceci. En revanche, là, son Eka, il a une zone vraiment sympathique pour venir me mettre l'érosion. J'aurais pas dû me mettre comme ça, je pense. Alors, ouais, là, le placement sur le début de combat est vraiment discutable. On voit que ça fait quelques temps que je fais du colis un peu n'importe comment et que j'ai plus forcément les bons réflexes. Est-ce qu'il va venir me mettre le double réflexe ou est-ce qu'il préfère y aller en full rock sur le Eugeniac? Alors là, un petit peu surprenant. À moins qu'il ait vraiment envie de repartir derrière, mais ouais, il avait pas envie de trop s'exposer, mais il avait la zone pour le réflexe en zone, donc je suis un petit peu surpris. Bon, jusque là rien de bien méchant. Moi, son Ekaflip, je vais venir placer un Wasta comme ça. J'aurais peut-être dû le debuff quand même. Hein. Rocket, pardon. Bon, là, il va prendre pas mal de dégâts. Voilà, là c'est quand même sympathique hein, ce qu'il a pris. Je vais venir me mettre... ouais, je vais me mettre ici avec Luigi. Je vais essayer de bloquer un petit peu la ligne de vue vers Lenny qui a pris énormément de dégâts, ça m'inquiète un petit peu. Il a pris l'érosion, il a une glyphe de Syngal, mais ça se debuff, donc ça devrait aller. Lenny qui met du 652 au mot alternatif, d'accord, donc énormément de soins sur Lenny. Eni qui a l'air d'être full intel, hein, énormément d'intelligence dessus. Donc c'est une compo qui est très dangereuse à mon avis, ils doivent en surprendre plus d'un avec le Vulné et le Rox qui tombe directement. Après, est-ce qu'ils vont réussir à m'avoir comme ça? J'en suis pas sûr. Hein. J'en suis vraiment pas sûr. Moi de mon côté, je vais continuer à y aller sur les Ekaflip, tout en me soignant.
Je vais même mettre le soin directement sur moi comme ça. Et un petit mot déroutant, voilà, on va essayer d'enlever dans la mesure du possible de la puissance. Donc là encore une fois, j'ai pas très bien joué, j'aurais pu faire un mot de frayeur sur le Rocket. Ce qui lui aurait mis quelques deux pouces, ça aurait toujours été ça de prix, hein, faut jamais rien négliger sur un colis. Je finis avec un PA, c'est pas très propre. Bon, on va dire que c'est la reprise et que on me pardonne. Alors, les K-Flip donc il tape très fort, mais qui est très érodé déjà. Hein. Là, il lui reste plus que 2000 points de vie max, même pas. Je pense qu'une stabilisation Karcham de la part du panda pourrait être intéressante. Non, il préfère continuer à taper mon ennemi. D'accord. C'est tout à fait défendable. Ok, il fait stabil Karcham, quand même. Hein. Bien ce qui me semblait. Ouais. Alors, moi, je peux faire quoi? Je vais aller le remettre à distance. Hop, on va dégager tout ça. J'ai pas envie... Ah, quoique, je pourrais venir chercher la zone Vagalam, moi. Je vais faire ça, ouais. On est parti pour venir chercher la petite zone. C'est bête, parce qu'avec un PM de plus, j'avais le lapin avec. Donc là, vous voyez les dégâts du panda, hein, qui sont vraiment intéressants. Le Vagalam avec 52% de critique en zone, là ça passe extrêmement bien. Bon, il a peu de résistance sur son Eneripsa, donc c'est normal qu'il ait pris cher. Le panda, ouais, les faiblesses critiques, hein, faiblesses critiques sur le panda qui le mettent un petit peu au fond. Il continue à y aller la griffe de Sénégal. Avec les K-Flip, d'accord, pourquoi pas. Et moi, de mon côté, je vais partir sur les nids. Est-ce que je le tacle? Si je le tacle, je peux pas l'éroder. Je vais plutôt choisir de l'éroder, hein, concrètement. Vite. Voilà, donc j'ai pas pu lui mettre l'étape 3 parce que j'avais pas les PA. Mais il fallait que j'y mette l'érosion parce qu'avec le soin qu'il a, si j'érode pas, je tape dans le vide, hein, clairement, là. Ça aurait même pu valoir la peine que je mette sur le panda, parce que le panda il va avoir du mal à se débuffer l'érosion s'il doit poser les K-Flip et leur porter à chaque tour. Ça va être une contrainte supplémentaire pour lui. Bon alors là le soin de Lenny qui est impressionnant, vraiment là je trouve ça pas mal du tout. Bon, c'est beaucoup d'intel hein, mais... Après avec ses résistances c'est cohérent on va dire. Ouais j'aurais peut-être dû mettre l'érosion sur le panda quand même, parce que là il s'en remet à couvert de toute façon. Ouais c'était pas forcément très bien joué de ma part. Est-ce que je stimule le lapin? Ouais, je vais faire ça. Je vais stimuler le lapin. Et ce serait bien, moi, que je vienne chercher comme ça la zone. Ouais, je vais faire ça. Zone avec un coup de type sur le panda. Voilà, c'est pas mal du tout. Hein. Coup de type, en revanche, qui n'a pas soigné grand-chose. Un petit peu décevant. Et en plus, qu'il a tapé à fond avec la roulette force, d'accord? Et du coup, je l'ai mis beaucoup de retrait à mon panda à cause de la grille de Sénégal. J'ai oublié de lui mettre le mot de jouvence. Grosse erreur de ma part, à nouveau. Décidément, hein, quand je me mets à faire nimp, moi, je fais pas les choses à moitié. Bon. Qu'est-ce que je fais? Bon, alors déjà, son panda, je vais essayer d'aller le replacer un petit peu à distance. Comme ça. Je vais me debuff. Sa griffe de Sénégal qui m'embête, et on est parti pour taper à nouveau les K-Flip. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et il va certainement être obligé de lâcher un contre-coup ou une chance des K-Flip. Il a en plus la perte de la roulette qui lui fait un malus de résistance. Voilà, la chance des K-Flip qui tombe. J'ai pas assez de dommages de poussée pour le finir au deux poux. C'est dommage. Mais ça ira. Ça ira. À nouveau des gros dégâts hein, sur mon panda. Ça vaut la peine, je pense. Ça vaut la peine que j'essaie de sauver mon panda. Alors, comment on va faire? Lenny, c'est débuff l'érosion, ouais. Ça m'embête son affaire. Lenny qui s'est débuff l'héros, concrètement. Bon, je vais plutôt venir faire comme ça. Hop, hop. Hop là. Et on vient tacler.
Et je lui ai mis l'état pesanteur pour être sûr qu'il n'aille pas faire un mot d'envol sur les K-Flip et éventuellement qu'il termine le panda. Bon, je pense pas qu'il aurait eu le. Je pense pas qu'il aurait eu assez de rocks pour le faire, mais là il était pile poil à la portée pour pouvoir atteindre les K-Flip avec le mot d'envol. On prend pas de risque, hein. Là l'idée c'est vraiment de pas prendre de risque. Le panda. Panda toujours un petit peu embêté. Ok, je vais mettre un déroutant ici. On va mettre un coup des types sur le Jinak. Voilà, bon, les types qui passent plutôt bien. Et à nouveau un déroutant sur le panda comme ça. Et avec les nids, je vais venir me mettre là. Ça me paraît pas mal. De toute façon, il pourra pas, le panda ne pourra pas venir chercher de zone. Hein, parce qu'il y a le mur qui me bloque, donc pas d'épouvante et vagalame. Il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Seul Lenny a pris pas mal d'érosion. Le Jinak, ça va. Il a érodé au début, mais j'ai des buffs, il n'a pas replacé après. Bon, alors là, je prends beaucoup de rocks, hein. Je prends beaucoup, beaucoup de dégâts. L'Ekaflip va être en retour de chance, là. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai hésité à lui laisser l'état proie dessus et je pense que j'aurais dû. Nous on va venir se mettre comme ça. On va taper un peu l'ennemi et il faut que je protège mon ennemi parce que son éca est extrêmement dangereux et il peut être une menace. Hop, voilà, donc je me repicole. Il y a un petit peu de soin qui tombe avec son retour du tout ou rien. Et là son éca flip qui est en retour de chance, donc j'espère que je vais être en mesure de le terminer. A priori, ça devrait aller, je pense, hein. Parce qu'il y a le, il n'y aura pas de stabilisation Karcham du panda. Moi, je devrais avoir suffisamment de dégâts pour le terminer. Ouais, ça y est, ça passera. Ça passera. On va venir faire comme ceci. Alors là, j'ai combien de dégâts? 500. Ok, donc il faut que je garde 7 PA, donc je peux éroder deux fois comme ça. Hop. Mettre une carcasse. Eh, quand je vous dis que les animations ça met un truc plus long, hein, je rigole pas. Et voilà, et là-dessus on est pas trop mal. Et je vais venir ici pour bloquer maximum. Je pense pas qu'il termine mon ennemi, mais n'oublions pas qu'il tape très très fort. Est-ce qu'il le termine? Ça m'embêterait vraiment qu'il me le termine. Hein. Non, d'accord, ça passe. 542 points de vie. Vraiment un beau rox de sa part quand même. Hein. Il faut lui reconnaître ça. Comment je vais pouvoir me soigner au maximum, moi? On est parti pour faire un jouvence, un mot de prévention. Est-ce que le J a besoin d'être soigné? Bon, on peut toujours remettre un petit peu de soin, c'est toujours ça de pris. On va remettre l'érosion sur le Jinak et venir chercher l'émeraude à couvert derrière son ennemi. Donc, alors là, son panda il peut venir. Il peut venir chercher la Vagalame ici, mais là clairement il me tuera pas. Hein. Il me tuera pas. Bon, il a eu beaucoup de rocks sur sa compo, ça m'a fait un petit peu peur. C'était limite limite à certains moments, mais dans l'ensemble, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti. Son ennemi est assez fragile, mais au final, le rock de son EK, il est tellement conséquent qu'on est un peu obligé de le focus. Donc ça l'a pas tellement pénalisé. C'était une compo vraiment intéressante, je trouve. Hein. Si je vais là, est-ce que je vais pouvoir. Ouais, on peut se mettre comme ça. Moi, je préfère plutôt y aller avec un truc plus simple. On va venir mettre la petite zone ici. Donc là, il y a clairement plus d'ennemis. Hop! Avec en plus une régène sympa avec l'état proie de Jinak qui vient le replacer sur le panda. Et là, on va terminer tranquillement. Je pense. On va mettre un petit roquette. Hop, et on est parti là-dessus. Et j'ai mal compté mes PA. Je suis une merde. Bon, c'est pas grave. Il me reste 900 points de vie, du coup, 805, et je devrais pouvoir terminer. Ouais, clairement, ça passe. Je veux dire. On va dire GG. Pas mal le Rox, hein, vraiment. Surtout les K-Flip, ce qui m'a lâché au premier tour, c'était assez impressionnant. Mais on s'en sort comme ça. Hop là!
Et voilà pour ce colis de reprise avec la team un petit peu plus solide que cette dernière que je vous ai présentée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie de voir comme type de combat, parce que moi je peux facilement m'adapter, j'ai beaucoup de persos différents. J'essaierai de faire en fonction de vos demandes. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouvera bientôt pour d'autres combats.